Et yo les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le pass de combat vient de sortir de la saison 4, c'est ça je crois. Donc on va la découvrir ensemble. Et surtout, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, la cloche des notifications. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne vidéo. Battle Royale. Oh! Les serveurs sont open, les gars. Oh, stylé. Stylé! Non, mais à la meuf de Hulk, on a Wolverine. Groot, Tornade, Mystique. Oh, ce qu'il est doux. Tiens. Ok, d'accord. Celui-là, c'est lui qu'on va avoir palier 100, quoi. Ok, ok. Voyons voir si on peut jouer déjà. Saison 4, phase de combat. Ok, on va tout laisser. Je sais que j'ai amené ces guerriers ici pour défendre notre réalité. Par contre, malheureusement, Thor, il est mal fait, quoi. Que nous nous préparerons à l'affronter. Galactus, le dévoreur de monde. N'oublions pas qui nous sommes. Tornade. Et Iron Man. Mystique. Docteur Fatalis, ok, d'accord. She-Hulk, quand même. Et je serai Groot. En effet. Ah, stylé. Notre plus grand combat commence maintenant. Donc on risque d'avoir des événements. Donc ça, c'est hyper stylé. Oh, stylé ce qu'il a fait, Groot, là. Rejoignez-nous ensemble. Ok. Nous vaincrons Galactus et sauverons la réalité. Let's go. Je veux le pass de combat, bien sûr. Et oui, acheter le pass. Oh, stylé. J'ai pas vu le pass encore. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas vu. Hein. Donc, oula, attends. S'équiper. S'équiper, comment ça? Un objet obtenu. Pass de combat. On va voir le pass. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Ok, donc là, on a Thor, au fait, en premier. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite... Ouais, donc ça c'est... comment ça s'appelle déjà, les gars? Oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le tube qui va chercher Thor, en fait. Peu importe la planète où il est. Ensuite, on a des V-Bucks. On a une cape qui est plutôt stylée. Ensuite, on a quoi? Le marteau de Thor. Ok, palier 8. Pareil, on a un truc d'armes comme les deux premiers qu'on a vus. Un planeur qui est plutôt simple. Je vois pas ce qu'il fait ici, le planeur. C'est un peu style BD. Ah, ok, d'accord. Je viens de voir. Ok. Pas mal. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Bon, en vrai, c'est que basé sur Thor pour le moment, quoi. Ok, c'est vraiment que basé sur Thor pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Une musique. Ah, on pourra pas l'entendre, j'ai coupé le son. N'importe quoi. Ok, oh, ça c'est stylé, les 4 fantastiques, ça. Les 4 fantastiques, petite dédicace aux 4 fantastiques. Ce film est juste trop bien. Ok, ensuite c'est pareil, les mêmes planeurs. Bon, par contre, au niveau des planeurs, ils sont pas fait chier, j'ai l'impression que c'est le deuxième qu'on a. Bon, c'est du. Pareil, ça c'est mystique, mais bon, fait chier quoi. Ok, Jennifer Walter, je vois pas c'est qui. Le cerveau ou les muscles, pourquoi ne pas les. Ah, c'est Hulk. C'est le She-Hulk, c'est ça? Ok, c'est She-Hulk. Donc là, on a Hulk maintenant. Ok, des marteaux, encore des V-Bucks. Ok, ça c'est She-Hulk qu'on va débloquer. Ouais, c'est bien She-Hulk qui est juste ici. Bon, stylé. Elle, je la veux trop, elle est trop belle. Enfin, je kiffe trop. Déjà, Hulk en soi, je le kiffe, ce perso dans Marvel. Et la She-Hulk, ça va être trop bien. Ensuite, on a Groot. Au fait, ils ont fait ça par étapes. Donc, tous les 10 paliers, t'as un perso. En fait. Je pense qu'ils ont fait ça comme ça. Des V-Bucks.
On a mini Groot dans le dos, ok. On a oh, les armes en bois, c'est stylé. Les Groot, je kiffe. Groot, je kiffe trop. Groot, je kiffe. Ça, c'est pioche, par contre, je suis pas fan. Les Groot en soi, pff, c'est ce qui est trop stylé, putain. Moi qui suis fan de Marvel, alors là, Groot, mon gars, même son planeur est trop stylé, son petit planeur, hein, Groot. Ok, d'accord. En fait, c'est pareil tout le temps. Là, on va changer. C'est quoi, c'est un émote? Ok, c'est un émote. Hyper stylé. Hyper stylé. Pour déverrouiller, atteindre le niveau 46, c'est un peu plus des défis de l'éveil de Groot. Ok. Ok, donc là, on a Tornade maintenant. Tornade, bon, c'est le même principe, hein, des émotes. La descente avec les éclairs, ok. Tornade juste ici. Elle est stylée aussi, hein, Tornade, les gars. Je sais pas si on court avec ou si elle flotte légèrement dans les airs. Il faudrait voir, faudrait que je la débloque. Faudrait passer 50 points pour voir. C'est quoi, c'est son planeur, ça? Oh! Oh, c'est trop stylé! La main foudroyante! Oh, c'est trop stylé! Ok, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ils sont vraiment hauts, hein. Ils ont tout donné, j'ai l'impression, à Fortnite. Ils ont vraiment tout donné. Mais c'est trop stylé. Ok, des bugs. Et ensuite, on a encore des défis à faire. Ça, c'est pour... Trop stylé. En vrai, j'adore. Donc lui, docteur je sais pas quoi là, enfin lui en vrai je pense qu'on va le passer assez rapidement, je suis pas trop fan de ce perso, je sais même pas qu'est-ce qu'il fout là en soi, ils auraient pu trouver mieux je pense, hein. Parce que lui, c'est qui déjà les gars? Moi je vois pas c'est qui, hein. Je vois pas c'est qui, docteur Fatalis, je vois pas il est dans quel, dans Spider-Man? Fatalis? Non je sais pas, oh, je suis un inculte. Ok, donc là on a ses émotes, on a son sac à dos qui est plutôt, ouais ça va dans le style, hein, ça va dans le style, on a encore le planeur, et c'est toujours les mêmes planeurs ça par contre c'est vraiment dommage. Sans V-Bucks, un émote, plutôt pas mal, ouais ça va dans le même style, ok et puis là c'est un émote, il s'attend sur son point, c'est ça? Ok, c'est plutôt sympa, ensuite on arrive sur Mystique, tout par contre les planeurs. Fortnite, quelque chose. Ok, c'est Marvel, c'est un peu BD, etc. Mais bon, ça peut faire un truc beaucoup mieux que ça, quoi. Parce que là, franchement, ça fait 5 planeurs où c'est les mêmes, sauf qu'il y a juste le logo qui change dessus, c'est pas ouf. Par contre, elle est quand même stylée. Elle est quand même assez belle. En fait, les skins sont propres en soi dans la saison, hein, vraiment. Vraiment, ils sont plutôt propres. 83, c'est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. C'est quoi son émote? Ok, alors devient un skill standard. Ok, pourquoi pas. Bon, Iron Man, voilà. Mythique, les gars, mythique, hein. On va pas se le cacher. Toujours pareil, petit compteur de kills juste derrière. Au niveau des armes, plutôt pas mal, c'est pas mal. Je le mettrai pas, mais c'est pas mal. On a le skill en soi comme ça. Et après, je pense qu'il faut, ouais, il faut faire les défis pour pouvoir... Toujours pareil, le planeur, on va passer parce que c'est vraiment chiant. Ok, c'est un peu du même style que Tornade. Hein, je pense qu'ils sont pas trop fait chier non plus pour l'évolution des skins. Hein. Ok, ça c'est stylé par contre. Ça c'est stylé. Mais c'est un émote ou... Module de vol marque 90 conçu pour le confort de vol. Je sais pas si... Je crois que c'est un émote, hein. Non, c'est pas un émote. Je sais pas si c'est un émote. Putain, j'arrive pas à comprendre le pass, clairement. Ok, ça par contre c'est stylé. Ça par contre, c'est... Ouais, parce que ça c'est très très stylé. Wolverine. Ok, donc en fait on a que des skins Marvel. C'est vraiment que ça. Donc là on est palier. Je vois pas les paliers. Il n'y a pas de palier, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'il nous propose comme émote? Ouais, je crois bien que c'est l'émote le plus éclaté qu'on ait. Il est vraiment pas ouf l'émote de Wolverine. Ah putain. Ok, et ça c'est tous les skins, toutes les évolutions de skins qu'on peut avoir, c'est ça? Oh, trop stylé, Tornade. Ok, Wolverine. Bon, Wolverine, ils auraient pu le faire beaucoup plus beau, parce que là, franchement, il est dégueu. Ok, donc ça c'est quand t'arrives palier patch 16 sur 16, quand t'arrives palier 100, tu débloques tous ces skins-là. Ok, d'accord, ok. Plutôt pas mal du tout, hein. Le pass est très très bien.